j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de encore une fois de Pluton. Et oui, ça y est, il arrive dans le Verseau à partir du 12 novembre. Il va y rester de mémoire jusqu'en février 2044. C'est l'un des plus grands transits dans le signe du Verseau, hein. Pluton, il est resté 16 ans dans le Capricorne, il va rester 20 ans dans le Verseau. C'est l'un de ses plus grands transits, hein, au niveau du zodiaque. Nous allons voir, nous allons décortiquer ce qu'est le Verseau et qu'est-ce que Pluton, ben, du coup, peut amener dans ce signe du zodiaque. Alors, il faut savoir plusieurs choses concernant le Verseau. Alors, je vous rappelle que le Verseau, tout comme les autres signes du zodiaque, sont des archétypes, hein. Les maisons à laquelle ils se rattachent, quand je parle de maison, donc il faudra vous regarder dans votre thème où se trouve le Verseau, dans quelle maison, puisque la maison représente les domaines de vie. D'accord? Donc on a tous une maison rattachée au Verseau, nous avons tous un Verseau quelque part, donc ce signe et cette maison vont venir, entre guillemets, pour la faire très courte et très simple, il va falloir un petit peu la révolutionner, il va falloir un petit peu la réformer, d'accord? Puisque dans le Verseau, nous retrouvons cette idée de réforme. Donc, qu'est-ce que le Verseau? Le Verseau, c'est le 11e signe, il est maîtrisé par la planète Uranus, c'est le signe qui vient ben, derrière le Capricorne, c'est un signe qui est féminin, qui est masculin, pardon, je dis des bêtises, c'est le Capricorne qui est un signe féminin. Et c'est un signe qui est fixe. Alors, pourquoi, c'est quoi un signe fixe en fait, hein? Alors, vous avez les signes cardinaux qui vont donner une impulsion, hein, comme ben, le Capricorne est un signe cardinal, un signe féminin cardinal. Ici, le Verseau va être la concentration, comme le Lion, hein, comme le Scorpion et le Taureau, ce sont des signes fixes. Donc, vous allez être concerné essentiellement par ce transit de Pluton, hein, ces signes-là vont être fortement concernés, bien sûr. C'est la concentration d'énergie qu'il y a eu en amont, et on va dire que c'est la force vitale de cette énergie qui se déploie en fait dans les signes fixes, tout simplement. Les signes fixes, on est au cœur des saisons, hein. Ici, dans le Verseau, on est au cœur de l'hiver, par exemple. Les signes cardinaux sont des signes qui parlent aussi du solstice et des équinoxes. Le bélier et la balance sont le parfait équilibre entre le jour et la nuit. Les solstices sont toujours, démontrent on va dire pardon, la force, je vais y arriver. On va dire le triomphe d'une force, soit du jour, soit de la nuit. Alors c'est intéressant à venir voir de ce côté-là, puisque lorsque nous allons atteindre le solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, là qui va arriver, hein, quand nous allons atteindre ce solstice, cela veut dire déjà que le jour va commencer à triompher sur la nuit. Déjà une bonne nouvelle. On va sortir un petit peu, en tout cas, alors bien entendu, c'est subtil, hein. Vous n'attendez pas du jour au lendemain à ce que, ouh, Eureka, tout arrive. Mais cette force, cette concentration de force est intéressante puisque minute par minute, tous les jours, nous allons grignoter un petit peu plus de lumière. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, Uranus, le Verseau, et avec Uranus, on va dire l'avant-dernier signe. Après, nous avons les Poissons. Et le Verseau vient après le Capricorne, après Saturne. Donc Uranus, quelque part, est la première planète transsaturnienne, c'est-à-dire qui se place derrière Saturne, décidément. Et son but quelque part va être d'étendre de modifier et de repousser les freins de Saturne. Saturne, je vous le rappelle, c'est ce qui nous met dans la réalité de tous les jours.
C'est une planète qui, sans elle, ben, il n'y aurait pas d'ordre, il n'y aurait pas de frein, il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas. Alors, il est essentiel aussi Saturne, hein, parce que sinon, ben voilà, ça serait vraiment l'anarchie la plus complète. Or, Uranus, à un moment donné, dit à Saturne, ok, c'est bien d'avoir des freins, d'avoir des limitations, d'avoir des choses concrètes et tout, mais si on reste immobile sur place, si on ne bouge pas, si on ne tente pas autre chose, si on n'élargit pas ses limitations, eh bien le mouvement s'arrête. Et si le mouvement s'arrête, eh bien derrière, il n'y a plus de vie. Donc l'essentiel d'Uranus, ça va être cette planète qui va repousser, qui va tenter de repousser petit à petit cette limitation. D'ailleurs, on le voit. Quand on ne veut pas évoluer dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, eh ben, les choses stagnent et les choses ne bougent plus. Et là, ben, on peut ben, peut-être se prendre des murs, on peut développer une maladie, on peut, voilà, on peut souffrir de l'intérieur. C'est pour ça, d'ailleurs, que vers la quarantaine, vous avez toutes et tous subit l'opposition d'Uranus à votre Uranus de naissance, c'est la fameuse crise de la quarantaine, hein, et c'est ce qui pousse l'individu vers l'individuation, c'est-à-dire que nous avons tous ce besoin d'évoluer, de changer. On s'est construit avec Saturne, souvent vers 40, c'est entre 38 et 45 ans, hein, l'opposition d'Uranus, et vous remarquerez que bien souvent, à cet âge-là, pour ceux qui l'ont déjà dépassé ou qui le vivent, hein, même présentement, il y a comme une force quelque part, hein, c'est ce que Carl Jung appelle la remontée de la zone d'ombre en fait, hein, puisqu'avant ça nous avons le carré de Neptune au Neptune de naissance. Donc il y a cette poussée de la zone d'ombre, tout le côté inexploré que nous n'avons pas fait parce que souvent vers 40 ans, eh bien on a l'expérience, on est au milieu de sa vie, c'est-à-dire qu'en règle générale, si nous, on se fie aux statistiques, nous sommes au milieu de notre vie, hein, puisque la mortalité, en règle générale, dans notre hémisphère, du moins dans notre pays, est aux alentours de 80 ans. Et donc, il y a comme une prise de conscience que, ben, on s'est peut-être marié, on a fait carrière, et là, il y a quelque chose qui cherche à changer, à bouger, hein, les lignes bougent. Alors, on peut vivre beaucoup d'expériences aux alentours, dans ces années-là, finalement, hein. On peut retomber amoureux, on peut divorcer, on peut se marier, on peut faire un enfant, on peut changer de carrière, on peut voyager, on peut. Voilà, il peut se passer plein de choses. Donc Uranus, lui, son but, ça va être de redonner un souffle, de redonner de la vie, de redonner du mouvement dans ce qui est jusqu'ici cadré, assimilé, connu, su, sécuritaire quelque part aussi. Vous voyez, on a besoin d'évoluer. Donc, le Verseau, c'est aussi, et d'ailleurs on l'entend dans le langage des oiseaux, Verseau, hein, c'est un personnage, quand on regarde l'image du Verseau, on le voit verser de l'eau sur, on va dire, sur la planète, voilà, sur un monde, hein. Et il faut savoir que ben, l'eau, vous le savez, surtout si vous me suivez, l'eau, les signes d'eau, et l'eau, l'élément eau, est l'élément primordial. Sans eau, il n'y a pas de vie. 80% de l'oxygène est généré par les océans. Nous avons 70%, nous sommes constitués à 70% d'eau. Nous grandissons dans l'eau, hein, dans la poche amniotique, c'est l'élément liquide, hein, on est bien d'accord. On vient tous de l'océan, on est tous sortis de l'océan quelque part. Donc, l'importance de l'eau engramme les mémoires, engramme l'information. Il y a Luc Montagnier qui a fait, ben, je pense que son équipe continue à faire ses recherches, hein, mais Luc Montagnier était en train, avant sa mort, malheureusement en 2020, élargissait ses recherches, hein, autour de cet élément qui est l'eau et comment l'eau peut détenir l'information. L'eau, quand on la cristallise, d'ailleurs, vous le savez, hein, chaque flocon est différent, il n'y en a pas deux qui sont pareils, et reprennent la géométrie sacrée en règle générale. Bon, moi, je m'y connais pas suffisamment, hein, ce sont des choses que j'ai observées, que j'ai lues au
auquel je me suis intéressée. Enfin, quoi qu'il en soit, cette eau, l'eau est source de vie. Si vous arrosez la terre, il va pousser quelque chose. Si vous ne l'arrosez pas, il ne se passe rien et ben, les terres ne sont pas fertiles. Donc l'eau, c'est la fertilité. Le signe du Verseau étant un signe masculin, c'est un signe qui est tourné vers cette fertilité, vers l'action, vers les initiatives, vers les choses qui se voient, qui s'entendent et qui se mettent en forme à l'extérieur. Alors que les signes féminins, c'est tout le contraire, c'est la gestation, c'est ce qui s'exprime à l'intérieur, en fait. Hein, on retrouve toujours hein, cet effet miroir, cet effet de résonance intérieure-extérieure hein, dont nous sommes constitués, dans notre façon de fonctionner, du moins. Donc le Verseau est un signe réformateur. Il veut réformer ce qui a été établi précédemment par le Capricorne, ici. Donc il va chercher à réformer, il va chercher à élargir les horizons, à élargir ce qu'il connaît déjà. C'est un signe, alors qu'on relie beaucoup à la liberté, oui, mais le Verseau, quelque part, est libre sans être libre, parce qu'il ne peut pas s'exprimer si à la base, il n'y a pas un ordre déjà établi. Quand on parle de réformer une loi, ben, c'est que la loi, à la base, existe. Cherche à la faire évoluer. Quand on veut réformer un système, ça veut dire qu'on prend de l'ancien pour le faire évoluer vers quelque chose de nouveau. Donc, quelque part, ce côté liberté, attention, parce qu'il est galvaudé, encore une fois, le Verseau n'est pas si libre, il a besoin de l'ancien pour pouvoir le faire évoluer. Donc ça, c'était, on va dire, un tout premier aperçu pour qu'on puisse savoir de quoi va parler le Verseau, finalement. Le Verseau, de par sa connaissance, quelque part dans son archétype, le Verseau a déjà fait quasiment tout le tour du zodiaque, hein, comme je vous l'ai dit, c'est l'avant-dernier signe. Après, il y a le Poisson. Mais ici, on est dans le dernier aspect, on va dire, masculin du zodiaque. C'est-à-dire, c'est comme si le Verseau avait pris la connaissance de tout son périple autour du zodiaque, hein, à partir du Bélier. Il a emmagasiné des connaissances. Et là, aujourd'hui, il part vers l'individuation. C'est un signe d'individuation. C'est celui qui a compris la nécessité d'être complet, c'est finalement cette liberté-là. Qui recherche le Verseau quelque part. C'est entre ce que je suis, ce que j'ai pu conquérir dans ma vie, ce que je connais de moi, et tous ces aspects quelque part que j'ai dû mettre de côté peut-être, hein, que j'ai pu ignorer, que j'ai pu que je ne veux pas voir finalement. Il va falloir que je l'apprivoise pour que je sois un être constitué à 100% dans mon côté lumineux et dans mon côté sombre, pour que je puisse les unifier et faire de moi quelqu'un de libre, de finalement détaché de ces peurs que je ne voulais pas voir jusqu'à maintenant, de ces freins que je ne voulais pas voir jusqu'à maintenant. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la thématique du Verseau un petit peu dans sa globalité. Et il sait par expérience, le Verseau, il connaît. Le Verseau a quelque part avec Uranus, cette planète qui est quand même l'éveilleur de conscience, parce que Uranus, c'est ça, c'est quelque part l'expansion, une sorte d'expansion, un peu comme Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion de conscience, c'est ce qu'il y a au-dessus. Et c'est ce qui est le prémisse, on va dire, du Sagittaire qui est juste avant le Capricorne, qui est juste avant le Verseau. Donc il y a une continuité ici qui est, on va dire, logique. Hein. Et bien, de cette expansion de conscience que nous avons eue dans le Sagittaire, hop, on la retrouve dans le fer du Verseau, dans ses positionnements, dans ce qu'il pense de la société, des autres. Hein. Je vous rappelle que le Verseau est face aussi au lion. Le lion, qui est notre part narcissique, l'amour que nous avons de nous à la base et de la façon dont nous allons finalement l'exprimer, le côtoyer en Verseau. C'est pour ça que c'est un signe qui est très relié à l'humanité.
à la famille élargie. Ce sont les amis, les associations, les réformes. Certes, donc, il y a un côté très politique aussi dans le Verseau. Il y a quelque chose de nouveau avec Uranus. Et Uranus, c'est l'éveilleur de conscience parce que Uranus frappe là où, on va dire, le mental peut s'arrêter. C'est les idées géniales, c'est les coups de foudre, mais c'est peut-être aussi l'accident de voiture. Ce sont les choses à laquelle nous ne sommes pas préparés. Et qui fait que Uranus oblige l'entité, c'est-à-dire nous, à venir utiliser quelque chose qui est beaucoup plus profond que le mental, qui est beaucoup plus instinctif que le mental, pour ben, finalement exister d'une façon différente. Voilà. Donc je vais arrêter là pour on va dire le côté Verseau. Donc Pluton va rentrer dans ce signe-là, dans ce signe réformateur, dans ce signe qui aspire à repousser des limites, hein, à se diriger vers cette unité finalement, vers cette individuation commune. Pluton, vous le savez, c'est la planète du Scorpion, de la maison 8, qui est donc la maison des héritages, c'est la maison financière aussi, financier de l'autre. Hein. La maison 8 peut représenter l'argent de mon mari, des associés, mais aussi de la famille, des héritages. Les héritages, ce n'est pas bien sûr que pécunier, il y a l'héritage familial, spirituel, éducatif, historique, sociétaire, hein, dans quelle terre nous naissons aussi. Hein. Bon, là, on est en France, on pouvait être du Canada, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui m'écoutent, beaucoup de Québec. Ça peut être voilà, en Belgique, en Afrique, peu importe, mais c'est aussi les archétypes, les croyances qui appartiennent à notre terre où nous sommes nés. Okay? Donc, Pluton, c'est aussi cette maison, c'est la créativité, c'est-à-dire puisque c'est aussi la maison de la sexualité, et sans sexualité, il n'y a pas de vie. Encore une fois, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Ben, sans sexualité, on ne serait pas là. Voilà, si l'abeille n'allait pas faire butiner la petite fleur, d'aller d'une fleur à l'autre, hein, ben, les fleurs ne pourraient pas se reproduire. Enfin bon, bref, d'où l'importance de sauver les abeilles et les insectes, au passage, hein, je le rappelle quand même. Donc, et ce scorpion, enfin, c'est Pluton et le maître. On va dire aujourd'hui du scorpion, hein, avec Mars qui est l'ancien maître, et le scorpion qui a cette faculté, qui est un signe d'eau, hein. Donc voilà, on ne peut pas le faire exprès, qui est un signe d'eau, et qui va ici souffler sur l'air du Verseau. C'est un signe d'eau, c'est l'eau des marécages, c'est l'eau du subconscient, c'est ce qui est, vous savez, moi je le compare souvent à l'eau des marécages, c'est-à-dire qu'on a de l'eau, mais par-dessus on a de la vase, enfin en dessous on a de la vase, par-dessus il peut y avoir plein de trucs dessus, parce que l'eau des étangs, c'est stagnant, hein, ça ne bouge pas, mais toute la vie se trouve en dessous. Et pour moi, c'est vraiment le subconscient, c'est-à-dire ce qui est entre l'inconscient et le conscient. Et c'est une espèce de filtre, le subconscient ici. Hein. Donc, on parle ici vraiment de l'inconscient collectif déjà qui arrive au niveau du subconscient. C'est-à-dire que l'art de rien, tous ensemble, on est en train de nous révolutionner. Il y a cette espèce de... Alors, on s'entend bien, encore une fois, c'est très subtil. Hein, Pluton va traverser durant 20 ans ce signe-là. Mais pendant 20 ans, il va réformer finalement l'archétype ici du Verseau. Ça va prendre du temps. Hein, pour certains, peut-être moi, hein, je n'en verrai même pas la fin. Voilà. 20 ans, c'est loin, mais c'est court en même temps, arrivé à un certain âge. Donc, ce Pluton qui est en quelque sorte aussi une sorte de réformateur, parce que Pluton, je vous rappelle que c'est la transcendance à la base, hein, ça passe par des périodes de crise, par des périodes très sombres. C'est ce côté dont Carl Jung parle en disant ben, ce côté
sombre parce que Carl Jung, je vous rappelle, a vécu une nuit noire de l'âme qui a duré très longtemps. Mais c'est de là, je pense, qu'il a sorti toute la quintessence de son intelligence, de ses compréhensions, de tout ce qu'il avait mis en place. Là, il est allé toucher du doigt quelque part quelque chose de tellement profond en lui que ben, quand ça a ressurgi à la lumière, ça a donné finalement son génie. Vous voyez? Après, c'est on va dire, ma vision personnelle hein, du personnage. Attention, hein, je crie au génie parce que pour moi, voilà, ça a été quelqu'un de tellement réformateur quelque part que ben, il a bousculé finalement, je dirais presque la vision, cette vision saturnienne qu'avait Freud, vous voyez, où tout était carré. Lui, il a tout exposé. Enfin, bon, bref, passons. Donc ce Pluton qui est en quelque sorte aussi un réformateur parce que lui passe par des crises, passe par quelque chose de profond, de profondément instinctif, de profondément de quelque chose qui est au-delà encore une fois hein, de notre petit mental hein, qui est relié à l'ego finalement. Donc quand il arrive dans ce signe révolutionnaire, dans ce signe réformateur qui est le Verseau, eh bien, on peut s'attendre à ce que la réforme ne soit pas peut-être là où elle était jusqu'à présent. Hein? Donc il y a 248 ans, effectivement, nous avons eu le passage de Pluton dans le Verseau qui a amené la Révolution française, qui a amené les années napoléoniennes, etc. Certes, on a destitué une certaine façon de vivre sociétale à une autre. Mais avec Pluton, on a toujours quelque chose qui se faufile en dessous. Hein. Bon, là, moi, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de nous, hein, finalement. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que ben, Pluton, quand il va rentrer, quand il rentre dans le Verseau, va impulser. Finalement, parce que je vous rappelle que le Verseau, hein, c'est le solstice qui va gagner en lumière. Et pour gagner cette lumière, encore une fois, ben, je me réfère à Jung qui nous disait que la lumière se trouve au fin fond des ténèbres. C'est-à-dire que c'est quand, ça ne veut pas dire qu'on va passer par des trucs hyper ténébreux, hein, c'est pas que ce que je suis en train de dire, ne tremblez pas. Mais il va y avoir des crises, forcément. Hein. Voilà, on n'est pas non plus idiot. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, loin de là. Mais Pluton, c'est ce principe de Carl Jung qui nous dit vraiment, il va falloir que tu ailles creuser dans ton côté sombre pour y mettre de la lumière. Parce que tant que tu ignores ce côté sombre, eh bien, ça vient sous forme de destin. Ce sont des impulsions qui arrivent. Alors, le côté sombre, je vous le rappelle, aussi, encore une fois, que ça n'est pas que du négatif, puisque c'est aussi du potentiel qu'on n'utilise pas. C'est un peu relié en astrologie au nœud sud. Ce nœud sud dans lequel on baigne surtout quand on est enfant, c'est notre zone de confort, c'est le su, le connu, mais c'est aussi le potentiel que l'on ne veut pas exploiter. Donc, durant on va dire, un des premiers signes de Pluton dans le Verseau, c'est que ce côté réformateur va pousser finalement chacun et chacune, petit à petit, je vous rappelle que c'est un transit qui est très long, à se découvrir, à faire remonter quelque chose qui jusqu'ici ne s'exprimait peut-être pas, ou s'exprimait sur des fondations jusqu'ici qui étaient établies. Donc, on va avoir peut-être une crise de cet ordre-là, de cet ordre établi, forcément, hein, dans la maison dans laquelle ça va se passer. Par exemple, ben, je dirais que les balances, ça va être dans la maison 5. Je dis, alors j'ai pas regardé, mais moi je suis balance, donc je sais où va passer Pluton. Eh ben, la maison 5, c'est la maison du lion, c'est l'énergie vitale, c'est le côté narcissique, etc. Donc, ben, Pluton va réformer toute cette maison-là. Hein. Après, je ferai un tour d'horizon, j'essaierai de faire un tour d'horizon rapide. Hein. Donc, ce Pluton qui va passer dans ce signe du Verseau va, dans un premier lieu, chercher quelque part. Parce que le lion, c'est le côté narcissique, hein, et ils sont en opposition. Et
En face, donc ce Verseau-là, c'est ce que regarde le lion de l'autre côté. Il va être opposé d'ailleurs au lion, hein, donc les natifs du lion vont être concernés par ce passage de Pluton. Donc quelque part, il y a cette image sociale ici dans le Verseau qui va se modifier. Cette image sociale, ça va peut-être donner ben, des gens qui ne veulent plus respecter les règles. Ça, je ne vous apprends rien. Mais à titre individuel, c'est pareil. Il y a une sorte de révolte personnelle, forcément, puisque le microcosme et le macrocosme sont liés. Pardon, j'ai un peu bafoué. Mais vous comprenez, hein, nous sommes créateurs d'énergie avec nos pensées. Et donc, il y a des choses sur lesquelles, que ce soit malgré nous ou volontairement, nous allons être quelque part dans l'obligation de modifier et de réformer cette cohésion sociale que nous avons jusqu'ici construite depuis 250 ans, depuis le dernier passage de Pluton dans le Verseau. Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs, hein. Alors, le facteur climatique, on va être obligé de changer nos sociétés et les facteurs de l'évolution de la Terre elle-même, hein, de son inclinaison, qui est un des principaux aussi, pardon, j'ai quelque chose qui me gêne sur le nez, un des principaux facteurs de changement climatique aussi, hein, il y a l'inclinaison de la Terre qui change. Nous avons la société qui va se réformer, notamment avec l'arrivée de l'IA, donc ça, on va le voir hein, beaucoup avec Uranus en Gémeaux à partir de 2026, qui va aussi pas mal révolutionner. Donc il y a bien cette transformation sociétale, cette transformation de, entre guillemets, de l'humain. Mais il va y avoir aussi tout ce qui va être traité en termes d'information, puisque en tant que signe d'air, le Verseau diffuse de l'information. Alors il peut représenter bien sûr les chaînes, les journaux qui vont chercher une information qui est au-delà de l'ordre établi. Hein, BFM TV, voilà, on va dire l'information complotiste. Très uranien, très verso. Donc, d'ailleurs, elles peuvent être attaquées. Hein, ce type d'information peut être attaqué durant ce passage-là, devant ce. Et je vous rappelle que la révolution. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend de la révolution? On entend souvent la phrase de Marie-Antoinette à l'époque qui disait eh ben, s'ils n'ont plus de pain, on n'a qu'à leur donner de la brioche. Et ça avait fait tellement un scandale que ça avait propulsé cette énergie uranienne hein, de partout. Et qui avait donné au fur et à mesure ce besoin de révolution finalement. Donc vous voyez que le signe du Verseau est aussi un signe de communication et que c'est à travers la communication finalement que les choses vont se réformer. Il n'y a pas de toute façon, je ne l'ai pas inventé, ça a toujours été, ça le sera toujours. Donc ce Pluton va venir défaire ce qui a été révolutionné il y a 248 ans, notamment, hein. Comment s'est construite cette révolution aussi. Alors, on n'a pas les mêmes configurations non plus. Attention, il y a 258 ans, Neptune n'était pas là, Uranus non plus, voilà. Les nœuds, tout ça, on n'a pas du copier-coller. Hein. On est, parce que beaucoup nous disent, oui, la révolution, oui, certes, mais la révolution entre 1789 et aujourd'hui, 250 ans, il y a eu énormément de progrès. Donc là, on va aller quelque part aussi vers un certain progrès. Je vous le rappelle et je sais que certains n'aiment pas quand j'en parle, mais c'est pourtant un des côtés sombres du Verseau, c'est tout ce qui est radical. Et je suis désolée, mais moi quand je vois le monde à l'heure actuelle, la radicalisation, malheureusement, les extrémismes se portent énormément, hein, se s'entendent énormément. Il y a même plein feu, il y a même manipulation avec ça, parce que je ne pense pas que ça soit la majorité, mais on en entend parler. Alors on peut effectivement aller vers certaines extrémités, que ça soit politique, mais que ça soit aussi dans nos croyances, que ça soit aussi dans notre éducation, que ça soit ici dans notre identification hein, face à au lion. Ça peut être, c'est-à-dire qu'effectivement on peut ben, aller dans comment dire, une sorte de radicalisation dans cette recherche de liberté. On peut aller dans une radicalisation au niveau de la religion, on peut dans la spiritualité, on peut, voilà. On est obligé de passer par là,
Hein, je vous rappelle quand même que les années de la Révolution, c'était une sorte de radicalisation aussi. Hein, ça a donné, certes, la Révolution solaire, les républiques et tout ce qu'on a connu, hein, mais on a eu les années napoléoniennes qui ont été très, très, très violentes, qui étaient une sorte de radicalisation aussi, voyez. Avant ça, il y a eu aussi ben, les guerres religion, les guerres de... Voilà. Oh, il y a toujours ce mot-là. Nous, arrivés au XXIe siècle et arrivés dans cette fameuse ère du Verseau, on peut aussi trouver de la radicalisation, mais aussi dans les bonnes choses. Et je vous invite plutôt à aller vers les bonnes choses, vous voyez? C'est-à-dire que plutôt que d'aller voilà, regarder la paille dans l'œil du voisin, il faudrait se regarder soi-même, malheureusement. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce qu'on va encore dire que je suis réalisatrice, je ne suis pas là pour faire la morale. Je suis humaine et puis moi aussi, je fais j'ai aussi parfois des comportements humains. Hein, faut pas le, voilà, je l'avoue humblement. Hein, des fois, il y a des gens qui m'énervent et que. Bon, bref. Mais c'est bien aussi d'aller vers une sorte d'extrémisme, entre guillemets, mais dans le bien, dans la communauté que représente le Verseau. Et on va avoir ces deux types-là. Forcément, la lumière n'existe pas sans l'obscurité, le jour n'existe pas sans la nuit, le mal n'existe pas sans le bien. Donc on va avoir ces deux pôles qui vont traverser. Je vous rappelle que c'est quand même le solstice où la lumière revient. Donc on peut espérer, je le souhaite, hein, que finalement, à travers ces crises-là, que représente Pluton, que représente ce côté, on va dire, alchimique de Pluton, on va réussir à traverser, mais à travers des crises, à travers finalement des jusqu'au-boutisme, hein, avec Pluton, c'est malheureusement, c'est ça, hein, on va toucher du doigt un certain extrême pour se rendre compte qu'on ne peut pas vivre comme ça. Que ça soit au niveau de nous-mêmes, de notre, par exemple, si vous avez tendance à vous, je sais pas, moi, à pas faire attention à votre santé, à un moment donné, votre corps il tombe malade. Il va vous soutenir, mais à un moment donné, il va s'épuiser, vous allez tomber malade. Et là, vous êtes obligé de revoir en quelque sorte votre alimentation, votre santé, votre façon de vivre, vos heures de sommeil, le sport, etc. Ben, ça va être un petit peu ça pour moi, Pluton dans le Verseau. C'est-à-dire qu'il va aller toucher du doigt de défaire ce qu'il a déjà fait il y a 250 ans en arrière. Les choses qui fonctionnent bien, il va les réformer. Les choses qui n'ont pas bien fonctionné, il va peut-être les retourner. Par-dessus va s'ajouter aussi ben, notre ère aujourd'hui qui est très tournée vers les technologies, qui est très tournée vers la communication, qui est très tournée vers le mouvement. Et tout ce mouvement, toute cette ère qui va être brassée, en fait, c'est le gros changement d'ère. Il faut voir Pluton dans le Verseau quand, je ne sais pas, vous arrivez dans une maison, vous avez une maison de famille, vous allez en vacances, qui est fermée la plupart du temps, et bien vous arrivez, la première chose que vous faites, vous ouvrez les fenêtres, vous ouvrez les portes et vous faites la poussière. Et ben, ça va être un petit peu ça, Pluton dans le Verseau. Il va secouer les poussières, il va ouvrir grand les fenêtres et ben, il va y avoir des courants d'air, il va y avoir des crises, il va y avoir des remises en question. Il va y avoir surtout un profond changement quant à nos liens avec l'autre. Je vous rappelle que le Verseau, c'est la famille élargie, c'est le prolongement de notre narcissisme, la façon dont nous projetons, on va dire comment nous voyons aussi l'autre. Vous voyez, c'est un peu comme la balance qui va se reconnaître dans l'œil de l'autre. Mais ici, c'est comment finalement nous reconnaissons l'autre. En fait, c'est un petit peu inversé. Je sais pas si vous me comprenez. Mais ce regard vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'humain, de ce qu'il est constitué, qui même, peu importe la couleur, peu importe d'où il vient, peu importe, on est constitué de la même façon. Cette radicalisation qu'on est en train de vivre, et notamment dans les parties extrêmes actuelles, à un moment donné, il va y avoir un trop-plein. Il va y avoir un trop-plein parce qu'on va s'apercevoir que finalement, nous, pour l'instant, ici, on est à l'aise, hein, on ne veut pas, dans notre pays, je dis bien pour l'instant, hein, on est à l'aise. Parce que Pluton représentant aussi l'argent, l'héritage,
Je vous rappelle que bon, là, il va y avoir les élections américaines. Je dis très vite, hein. Élections américaines, mais il y a aussi les BRICS. Hein. Les BRICS, c'est l'union des pays les plus destructeurs de la planète, pardon, mais c'est vrai, la Chine, la Russie, alors le Brésil encore, ça passe encore, l'Inde, et je ne sais plus quel autre pays qui, ça y est, là, ils arrivent à la fin de, entre guillemets, d'un processus, ils vont se détacher du dollar. Hein, voilà. Et tout le monde tourne autour du dollar. Donc on va voir, parce que Pluton dans le Verseau, d'entrée, ça peut frapper ici. On peut voir notre économie mondiale qui est pérennisée hein, depuis des siècles, depuis très longtemps. Pas des siècles, mais depuis au moins depuis l'après-guerre, je crois. Mais je ne veux pas dire de bêtises, hein, franchement. Mais il me semble que oui, depuis l'après-guerre, où tout le monde tourne avec le dollar, et bien là, ça risque de changer. Et ça risque de changer énormément de choses dans nos vies d'un point de vue sociétal avec les BRICS. Donc, ce côté réformateur de société, ben forcément, ça ne se fait pas dans la douceur. Ça va, on va passer par des périodes sombres, oui, mais c'est pour finalement toucher la lumière. C'est pour aller chercher une certaine quintessence. Tout ne sera pas sombre. Tout ne sera pas destruction, tout ne sera pas radicalisation, bien entendu, et encore heureux, hein, mais il va y avoir ce mouvement quand même hein, qui va être assez important et ramené à nous. Vous pourrez d'ailleurs le constater qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, finalement, votre regard, vos croyances, ce dont vous êtes constitué, va se transformer peu à peu. Là, avec le Capricorne, on s'est débarrassé, hein, de toute façon, c'était le but hein, de Pluton dans le Capricorne, hein, c'est de se débarrasser un petit peu de tout ce qui était pérenne. Alors, je sais que ça a été pendant 16 ans, depuis 2008, il y a eu une vague de personnes qui se sont remis en question. Il y a énormément de gens qui se sont intéressés, ben, notamment à l'astrologie. D'ailleurs, le Verseau est un signe d'astrologie, donc on peut connaître aussi les heures, on va dire, une nouvelle renaissance de l'astrologie hein, dans notre société occidentale. Je vous rappelle que l'astrologie a été condamnée par l'Église, hein, c'est de la sorcellerie. Donc peut-être qu'ici, enfin, on va reconnaître l'utilité de l'astrologie, enfin, qui devrait être de toute façon reconnue comme bienfait sociétal. Fondamentale, hein. Bref, mais vous allez voir que vous allez avoir cette espèce de révolution ici parce que ben, les gens, pour beaucoup, alors là je parle d'un point de vue, voilà, dans notre hémisphère nord, hein, du moins, il y a eu beaucoup de remises en question des fondamentaux, beaucoup de remises en question des lignes, beaucoup de remises en question, il y a des choses qui se sont effondrées, hein, voilà. Donc ça, je l'invente pas, ça a été, c'est un fait. Donc aujourd'hui, maintenant que il y a eu une espèce de vague comme ça pendant 16 ans, hein, où tout a été quelque part remis en question, les fondations ont été remises en question, eh bien ici maintenant, c'est le moment de révolutionner. Et c'est ce que vous allez faire petit à petit, pas après pas, c'est révolutionner là où se trouve votre Verseau dans votre thème. Donc là, je vais vous faire un petit peu le topo, on va dire, selon les maisons. Je vais vous faire un petit topo. Mais donc, vous comprendrez bien que ce Pluton dans le signe uranien, c'est pas le passage c'est le plus informatif, je dirais. C'est franchement, on va sortir de là, on va être wow. Hein, le but, c'est de devenir de nouveaux êtres humains, des êtres humains beaucoup plus solidaires, beaucoup plus conscients de ce qu'ils sont, beaucoup plus dans leur individu, dans leur indivi pas leur individualisme, mais dans le process de Carl Jung, hein, plus complet, plus unifié. Hein, si nous avons eu finalement la révolution partait quand même d'une structure sociétale qui était beaucoup compliqué qu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il faut espérer que finalement, ce passage de Pluton dans le Verseau va venir finalement nous donner la lumière sur ce que peut devenir l'humain, mais un humain beaucoup plus complet, beaucoup plus. Parce qu'il aura compris à travers des leçons, à travers
peut-être des pertes, hein, peut-être des choses. En fait, c'est l'évolution humaine, hein, c'est à travers l'expérience de vie qu'on apprend à être plus complet, qu'on apprend à être plus, entre guillemets, humain, qu'on apprend à se détacher de ce que l'autre peut attendre de nous. Vous voyez, c'est en vieillissant, c'est avec la maturité, c'est avec l'expérience de vie qu'on apprend. Ben là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'énergie d'il y a 250 ans. On est dans une énergie de renouvellement de ce qui avait été construit il y a 250 ans. Avec les progrès, entre deux, il y a eu justement la psychologie, la psychanalyse. On a eu avant, c'était beaucoup plus axé sur la religion. Donc, on n'avait pas tout ça, hein. On n'avait pas la médecine aussi. On a évolué avec la médecine. On a évolué avec tellement de choses. Imaginez même il y a les trois dernières générations. Ma grand-mère, je sais, elle est née en 1916. Elle est décédée en 95. Elle a vu en l'espace de 80 ans une société partant de calèche avec les chevaux en aller sur la lune, quoi. Vous voyez? Et elle a connu les premières télés, noir et blanc. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle avait des grosses télés, vous savez, noir et blanc. Et il fallait appuyer sur des boutons gros comme ça, il fallait les enfoncer chez elle. Aujourd'hui, on regarde la télévision sur nos smartphones. Pensez bien que chaque génération connaît des évolutions et ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Alors peut-être qu'à un moment donné, Pluton va faire cette fracture, va devoir arrêter parce que c'est un signe fixe, hein. Donc là, quelque part, l'expansion va s'arrêter. Je crois que j'ai entendu, ou j'ai vu, ou j'ai lu, ou j'ai entendu quelque chose sur Facebook qui m'a beaucoup parlé. Je crois que c'était hier où il y a un petit-fils qui parlait à son grand-père et qui disait: moi, mes enfants connaîtront la voiture. Toi, tu as roulé en deux chevaux. Moi, j'ai roulé je sais plus, une super voiture, et mes enfants rouleront en Ferrari. Ouais, je dis n'importe quoi, mais bon, bref. Et en fait, le grand-père dit non, parce que l'homme a appris à travailler. Enfin, quand les temps durs font des hommes forts, les temps simples font des hommes faibles, et l'homme faible amène des temps durs. Et je pense qu'on est exactement dans ce cycle-là. On a eu des temps durs qui ont fait des hommes forts, les hommes forts ont fait notre société de facilité. Eh bien, c'est vrai qu'on arrive vers des temps un peu plus durs. À un moment donné, il va falloir arrêter certaines choses. Il va falloir arrêter la course à la consommation. Il va falloir penser plus intelligemment comment nous consommons, par exemple. Il va falloir penser plus intelligemment les liens que nous créons avec l'autre. Parce qu'à un moment donné, l'homme faible ne peut pas puiser en lui. Quand je dis homme, hein, j'entends bien homme et femme, hein, on est bien d'accord. Mais on ne peut pas puiser en nous si on n'a rien vécu. C'est à travers l'épreuve finalement, qu'on se déploie, qu'on déploie notre force, notre courage, notre ténacité, notre ingéniosité et surtout notre créativité. Et ça, c'est grâce à l'ego qui lui veut survivre. Donc, il va finalement trouver des solutions. Notre inconscient, notre subconscient, toute cette machine se met en marche pour créer de la force pour que la vie puisse continuer. Donc, voilà ce que représente Pluton pour moi dans le Verseau. Je peux me tromper. Le temps nous le dira, hein. Voilà, si on y arrive. J'espère pouvoir traverser tout ce cycle, hein. Je vais vous faire un topo rapidement en maison. Donc, maison 1, l'ascendant, hein, donc c'est le moi, c'est notre personnalité. Donc, Pluton arrivant à la personnalité, ben, c'est une refonte de votre personnalité. Le Verseau, en tant qu'ascendant Verseau, vous avez au fond de vous cette notion de réforme. Donc, vous allez vous-même vous réformer. Vous allez vous remettre en doute, en question. Il y a des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. Je vous rappelle aussi que c'est l'ascendant de notre fameux Jupiter, hein? Voilà. Dans la maison 2, ben, c'est votre façon de gagner votre vie. Alors, maison 2, Verseau, on peut trouver beaucoup d'astrologues, notamment, hein. Mais c'est aussi une façon de gagner sa vie. Souvent, on aime bien gagner sa vie par soi-même, trouver une forme de liberté dans la façon de gagner notre vie.
C'est le rapport à la terre, à la mère nourricière aussi, c'est comment nous mangeons, comment nous prenons soin de notre corps. Donc ici, pareil, il peut y avoir de grandes réformes à faire, d'une façon de faire, d'une façon de manger, d'une façon de gagner sa vie. Vous allez peut-être sortir d'un système déjà établi pour aller vers un autre système. Alors, certaines personnes vont changer de statut, vont passer de salarié à dirigeant, de dirigeant au retraité. Vous voyez, un retraité va pouvoir peut-être, je ne sais pas, ouvrir quelque chose de l'ordre de l'auto-entrepreneuriat et va apporter son savoir, son service et le transmettre plus tard. Voilà, ça peut être une façon de faire. En maison 3, c'est la fratrie, c'est les apprentissages, c'est le Gémeaux, c'est Mercure, hein. Donc ici, on va avoir ce lien à la fratrie, tout ce qui est de l'ordre de la proximité, tout ce qui est de l'ordre du langage aussi. Il peut y avoir un autre langage qui se met petit à petit en place en vous-même, mais aussi chez l'autre. Il peut y avoir des fractures au sein de la fratrie, au sein de la famille proche, hein. Alors, il n'y a pas que la fratrie, il y a les oncles, les tantes. Je crois qu'à maison 3, si je ne me trompe pas, ça représente aussi la belle famille. Donc, il peut y avoir des fractures, une réforme par rapport à ça. Maison 4, c'est vraiment le déracinement de ce qui a été ici encore une fois. Hein. Alors, souvent, maison 4, hein, uranienne, ça parle beaucoup de mémoire, de quelque chose qui a été soudain. Alors, Uranus est très relié au feu. Hein, d'ailleurs, quand il est rentré dans le taureau, il allumait, je ne sais pas combien de volcans, 8 ou 9 volcans. Hein. Donc, c'est relié au feu. Donc, il y a une histoire de feu ici. Donc, Pluton va arriver là-dedans. Donc, il peut y avoir, en termes de racines, de mémoire, des choses qui refont surface. Ça peut vous ouvrir la porte aussi à tout ce qui est recherche généalogique, tout ce qui est. Tout ce qui a pu être réformé dans votre vie, de tout ce qui a pu être, de tout ce qui a pu être de l'ordre du soudain dans sa vie, en fait, hein. Et il va y avoir quelque chose qui va se déraciner chez vous, qui va se déraciner pour se réenraciner ailleurs d'une meilleure façon. C'est le but, hein, de ce Pluton dans le Verseau en maison 4. Maison 5, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, hein, c'est les balances, hein, surtout qui vont l'avoir. La maison 5, on va être dans l'amour, la créativité, c'est la maison du lion, de l'énergie vitale, c'est le côté narcissique, c'est le côté enfant intérieur. Hein. Donc pareil, il va y avoir avec ce passage de Pluton, ce besoin de réforme, de changer son image, de changer ce que l'on croit de soi, de changer son propre narcissisme. Ce sera peut-être un temps pour apprendre à nous aimer, justement, hein, en se détachant, en faisant en quelque sorte mourir l'image. Notre propre image que nous avions jusqu'ici. Hein. Maison 6, la maison de la santé, maison de la Vierge, la maison donc qui est reliée à Mercure. Il peut y avoir ben, des soucis de santé dans un premier temps, c'est comment je revois ma santé. Mais je vous rappelle que l'axe Poisson-Vierge, hein, c'est l'axe beaucoup du triangle de Carmen, de la victime, le sauveur et le bourreau. Donc c'est le côté culpabilité de la Vierge et le côté sacrificiel du Poisson. Donc ici, en maison, dans cette maison-là, ça peut être compliqué dans le sens où vous allez avoir peut-être dans un premier temps l'impression de vous épuiser en fait. Ça peut être très épuisant dans la maison 6, hein, donc faites attention. On peut avoir une grande fatigue. On peut arrêter aussi, vu que c'est le quotidien, une volonté profonde de changer son quotidien qui émerge petit à petit. On a envie de réformer son quotidien. Cette notion de service jusqu'où je peux aller, moi, tout le temps dans le service. On peut embrasser aussi une carrière de service. Hein. C'est-à-dire que on peut sortir d'une servitude pour aller vers le service. Et là, il y a une nuance, hein, entre la servitude et le service. Le service, le Verseau, la maison 6 en Verseau, elle est, ma foi, elle est là pour être au service on va dire d'une unité plus large qu'elle, et non pas dans la servitude. La servitude, c'est très vierge, donc on n'est pas dans la servitude. Donc là, on peut embraser une carrière, par exemple, notamment politique, aussi, c'est-à-dire servir, alors, je ne sais pas, vous pourrez
demain vous présenter à la mairie de votre ville, de votre village. Voilà, vous avez petit à petit cette notion d'avoir envie de réformer autour de vous. Hein. Maison 7, maison de la balance, là, on est chez Vénus ici, donc en maison 7 du Verseau, il y a une rupture ici qui se fait avec le lien à l'autre dans un premier temps. Encore une fois, hein, on peut être attiré par les gens originaux, tout ça, et finalement, au fur et à mesure du temps, se rapprocher de cette originalité, finalement. Hein, le côté original du Verseau, hein, ce côté de l'individuation, celui qui est complet. Donc, on va aller voir, l'entourage peut changer durant ce transit-là. On peut être on va dire, de laisser tomber une sorte de lien ici. C'est se légiférer aussi, hein, la maison 7, c'est là où on se... de l'égalité, hein. Donc là, ben, on peut connaître un divorce, on peut connaître aussi, on peut avoir affaire aussi à la justice, hein. C'est la maison de la balance, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais pour arriver finalement petit à petit à être beaucoup plus en harmonie, en paix, en fait, c'est ça que, avec finalement un côté qui ne veut pas, qui veut se réformer, qui veut revoir quelque part en profondeur les liens qu'il entretient avec l'autre et surtout l'image qu'il a de l'autre, qu'il le renvoie à l'autre. Donc il y a un gros chantier qui se fait en maison 7. Maison 8, alors là ça va être des gros changements, des grosses. Il va être plutôt en maison 8 et chez lui, hein, donc et dans le Verseau, vous allez pouvoir vraiment transcender quelque chose de profond chez vous, quelque chose qui vient de l'autre. On peut avoir, alors attention, si vous voulez, vous êtes dans un processus de création d'enfants, etc. Ça peut donner des fausses couches, ça peut donner, voilà, pas pendant 20 ans, je vous rassure, mais ça peut être, on va dire, sporadiquement, ça peut être un des événements qui vous remet profondément en question ici, qui vous remet, hop, pardon, je vérifie, qui vous remet en question, où vous allez avoir les fondamentaux qui vont être remis en question. Donc, ça va être des moments de crise et de renaissance. Mais alors, ça peut aller très vite. Il peut y avoir quelque chose qui bascule et qui fait que vous allez vers quelque chose chez vous qui est beaucoup plus instinctif, profond et quelque part génial aussi, parce qu'on est quand même dans le Verseau, hein. Faut pas l'oublier. Il y a dû y avoir sûrement des mémoires de mort soudaine dans votre généalogie, d'exil, de mise en ban de la société qui a entraîné quelque part la mort. Il y a pu avoir une branche familiale ici qui est morte, entre guillemets, c'est-à-dire qui a été exclue. Donc ça, ce sont des thématiques qui peuvent revenir dans ce passage, dans ce transit-là. En maison 9, on est dans la maison du Sagittaire chez Jupiter. On est ici dans l'expansion de conscience. Donc en maison 9, ça peut être quelque chose de génial. Il peut y avoir une réforme complète de votre conscience ici, déjà à la base. Maison 9 Verseau, hein, vous avez quand même, du moins d'une façon latente, un côté assez génial au niveau de votre pensée, de vos apprentissages. Et là, ici, Pluton vient vous encourager à sortir peut-être de quelque chose qui... vous pouvez remettre en doute certaines croyances que vous avez jusqu'ici, de comment les choses fonctionnent. Vous voyez, la maison 9, c'est la maison c'est voilà, on est vraiment ici dans la grande connaissance, mais c'est aussi les voyages, c'est aussi donc il y a peut-être, vous avez peut-être déménagé, vous vous expatriez quelque part, vous voyez, mais tout ce qui est de l'ordre de la communication, qui est de l'ordre de l'assimilation, va ici petit à petit se transformer et évoluer. Maison 10, on est ici dans la maison du Capricorne. On est ici, alors souvent les personnes qui ont des maisons 10 en Verseau, le côté retraite pépère, hein, connaît pas trop, hein. En règle générale, c'est au contraire, c'est une renaissance là. Si vous arrivez ici en période de retraite, je pense que vous attendez ça peut-être depuis très longtemps, parce que on n'est pas ici pour aller juste son journal, sa pipe à regarder la roue de la fortune, hein. Surtout pas. Donc on est ici pour transformer. Alors je vous rappelle que c'est les maisons cardinales, hein, c'est un nouveau souffle qui arrive
Mais dans un premier temps, bah, il peut y avoir destruction d'une certaine destinée. C'est pour ça que je vous dis, si, souvent, on peut passer d'une vie active à une vie de retraite. On peut passer, par exemple, d'un métier à un autre. On peut vivre un événement qui semble nous faire se détourner de ce qu'on avait conçu jusqu'à maintenant. On s'était projeté d'une certaine façon, bah là, ça va être projeté d'une autre façon, hein. Et avec le Verseau, ça peut aller très très vite. Donc soyez attentifs. C'est toujours pareil, hein, pour le meilleur comme pour le pire. Voilà, il va y avoir des choses super géniales et d'autres qui vont être beaucoup plus délicates. Maison 11, ben, la maison du Verseau, ceux qui ont la maison Verseau, hein, en maison 11, ben là, ça va être tout ce qu'on a vu précédemment, finalement, cette espèce de révolution intérieure. Mais fondamentalement parlant, c'est la recherche de votre unification qui est ici en route, où vous allez devoir réformer vraiment tout ce que vous pensez, finalement, de la société, de la façon dont vous percevez l'ego de l'autre, hein, en face du lion, qui vous renvoie par miroir, hein, n'oubliez pas. Donc votre côté réformateur, votre côté, le côté qui veut repousser les limitations ici, mais Pluton peut vous donner accès à une grande liberté intérieure durant son passage, petit à petit, mais à condition de devoir dépasser votre peur, finalement, parce que le Verseau, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le fond du Verseau, c'est cette liberté, il la veut, mais il en a aussi peur, hein. Il a peur des extrêmes, le Verseau, parce qu'il sait au fond de lui qu'il peut être extrême. Donc attention, pour ceux qui ont Verseau en maison 11, de pas être côtoyé à l'extrémisme, à une certaine radicalisation, et vous-même éviter de vous radicaliser dans vos idées, dans votre façon d'être, etc. Enfin, la maison 12, la maison du poisson, on est chez Jupiter et chez Neptune ici. Donc Pluton dans la maison 12, ça va être très subtil, mais ça va être vraiment une période de crise, puisqu'ici nous touchons à l'inconscient. C'est comme si ici on est un petit peu mandaté pour quelque part transformer profondément ce côté, parce que les maisons 12 en Verseau, comment dire, vous pouvez avoir une sensibilité qui est vraiment à fleur de peau ici. Et une peur profonde de ce que vous pouvez justement sentir au fond de vous. Il y a quelque chose quand même, et surtout si dans votre thème natal, vous avez certaines planètes qui sont reliées, on a ici quand même des mémoires assez douloureuses, hein, mais qui ont été justement repoussées dans l'inconscient. Et notamment cette peur de l'exil, d'être déraciné. Alors dans la maison du poisson, c'est voilà, on peut avoir l'impression ici pas de flotter, mais vous pourriez marcher par à-coups en fait dans votre vie. Alors bien sûr, tout dépend, hein, de la subtilité de votre thème de naissance, je le rappelle, mais c'est par à-coups. Les événements peuvent arriver très vite, peuvent se terminer très vite. Voilà, c'est Uranus, hein, donc, et il y a cette notion de feu intérieur très fort chez vous. Il y a quelque chose qui couve. Pluton va arriver là-dedans, va chercher à réformer ce côté-là, ce côté, parce que Pluton, c'est l'acide, hein, c'est quelque chose d'acide. Donc, il y a quelque chose qui va se fondre, qui va s'alchimiser. C'est comme si vous, quelque part, encore une fois, mais je ne veux pas non plus mettre tout le monde dans les mêmes cases parce qu'on n'est pas tous au même endroit, et je vous le rappelle. Mais il y a une espèce de réforme profonde de ce qui est finalement de l'ordre de la croyance de l'invisible, des lunettes que nous portons, hein, qui fait notre réalité. C'est-à-dire qu'au cours de ces 20 prochaines années, votre propre réalité va se transformer. Et des fois, vous pourriez assister à des choses que vous pourriez considérer comme des phénomènes. Vous voyez, des synchronicités très profondes, il y a un chemin ici qui vous appelle, hein, qui appelle à une profonde transformation de ce qui a été votre projet sens aussi. Hein, puisque la maison 12, c'est la maison du projet sens, c'est-à-dire 9 mois avant votre conception. Voilà, bon, c'est très subtil, hein, j'essaye de m'expliquer au mieux, mais voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire de Pluton dans cette
dans ce signe extraordinaire qu'est le Verseau, en espérant qu'il nous amène dans le bon chemin. Je garde espoir. Je sais que l'humain, il est quand même malin, que notre civilisation, eh bien, arrive à un cycle, hein, et je vous rappelle, des civilisations, il y en a eu bien avant la nôtre. Donc, on est à l'orée, pour moi, d'une fin d'une certaine civilisation pour arriver à une autre civilisation. D'accord? Et n'oublions pas que Pluton, ben, quelque part, c'est un signe destructeur. Ça ne veut pas dire, bien sûr, je ne vais pas repartir. Hein, ce n'est pas la fin de notre civilisation. J'espère pas. Du moins, c'est sa profonde métamorphose. En tout cas. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, hein, un commentaire, si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très vite et théoriquement la prochaine fois pour la pleine lune. Voilà. Passez une belle journée. Au revoir.